Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'épisode 7 de Chainsaw Man. Donc sans plus tarder, c'est parti! Donc on est toujours à ce démon. Ah oui, c'était jeté et puis on s'est arrêté comme ça, très bien. C'est un fait. Il va être le taillé de l'intérieur. Il le savait pas. De toute façon, c'était un peu sûr, il a pas le niveau pour l'instant à combattre des démons comme ça. Hein. Ce qu'on pète au casque, bah alors là, c'est parfait dans tous les sens du terme. En fait, j'aime pas ce genre de scène parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux ou les deux qui vont mourir et j'aime pas du tout ça. J'aime pas la tournure que ça prend. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, c'est pour un pète au casque, il en a un. Dites-moi là, ce fut rapide, tout ce remue-ménage pour ça. J'ai loupé un épisode là. Genre, il a trouvé le cœur et du coup, hop, quick. La meuf qu'on veut toujours plus, c'est moi. Oui. Bah, en même temps, le pauvre. Et c'est quand même Denji qui a sauvé tout le monde. GG lui. Les deux conservés à rien, là. Ouais, pas faux. Oh, ça fait du bien un peu de temps en temps. Ah, ouais, effectivement, elle est minuscule. Du renfort, intéressant. Mais en fait, moi, je comprends toujours pas. Il y a un truc derrière, je pense, parce que Denji, c'est juste un pauvre mec, là, qui faisait ça avec. Son petit démon là, et puis c'est un petit démon tout mignon. Alors est-ce que c'est pas finalement un démon tout mignon? Trop bien! J'aime trop ces ambiances et tout, et c'est trop beau, regardez-moi ça. C'est incroyable. Oh, ils vont me donner faim. Les salauds! Les salauds! Ah, il l'a pas oublié celle-là. Détends-toi. Il attend que ça, lui, de toute façon. Regarde-moi! Oh, sa petite nuit! Makima qui déboule là au milieu. Juris, elle se fout entre les deux. Ah non, je me porte les deux. Putain, il me tue ce mec. Elle te les enquille, ça me tue. On n'est pas obligé de voir ces détails-là, on se calme. Je vous ai dit, c'est un anime plus 18 ce truc. Oh, c'est dégueulasse! Oh là là! Non mais elle reste stone. Enfin, genre calme jusqu'au bout. Ah! Ah, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Ah, je suis hyper sensible à ça en plus. Ah, ah le pot. Ah, ça me dégoûte. Oh là là. Ah, vomito, ma fin, j'ai un bisou. Ah, ça me tue. Oh mon Dieu. No comment, vraiment, no comment, bref, sais pas quoi dire. Non, vraiment, ce que je veux en tirer de cet épisode, c'est, il y a quelque chose avec Denji, mais je pense pas que ce soit Denji en lui-même, ou alors si c'est Denji en lui-même, c'est l'émission qu'il a eue, et c'est pas Denji en lui-même, c'est le petit démon qu'il avait avec lui, parce que c'est bizarre que les démons le recherchent. Est-ce que le démon tronçonneuse a quelque chose à voir avec les autres démons? Je ne sais pas. Quant à l'autre partie de l'épisode, on ne dira rien à ce sujet. J'étais pas prête. Surtout pour la dernière question, j'étais pas prête. Donc, j'ai honte de dire que je suis curieuse de savoir s'ils vont le faire ou pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, à commenter, ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!